qu'il y a une demande assez conséquente pour qu'ils en fassent un remake ou quelque chose. Oh bah, je l'achète à 10 millions d'exemplaires, hein, si jamais. Je l'achète en édition ultra limitée, premium, plus, comme ils veulent. Hein. À 150 euros, il n'y a pas de problème. J'ai gagné des trucs, je sais pas ce que c'est. Putain, oui, donc c'est ça, le truc Lego Fortnite, 1,6 million de joueurs. Voyons, ça fait beaucoup de joueurs. Il y avait moins de joueurs quand au pic de la saison, la première map. Bref. Eh, attends, mais. Mais tu veux faire Lego ou tu veux faire non, normal? Moi je veux jouer, moi. Je peux jouer. Attends, mais. Ah, t'es là, je t'invite. Mais attends, mais j'ai l'impression que mon skin de personnage, c'est pas le même. Tenue. Comment on modifie la tenue? Option. Accessoires, sac à dos, pioche, planeur. Ah bah voilà, c'est ça la tenue. Bah voilà. T'as reçu l'invitation ou pas? Bah ouais, je t'ai rejoint, non? Ah non. Eh bah, let's go. Ouais. T'as regardé ce que ça donnait ou pas, du coup, quand même? Non. D'accord, bah on est deux. Je sais que c'est plus la même map, mais voilà. Moi je suis juste tombé sur le live de Netto où il jouait au truc Lego. Et c'est là que j'ai vu que ça ressemblait à du Minecraft. Bonne game les boomers. Non mais attends, ça va. On est pas trop vieux. Comment ça les boomers? Ah putain, mais du coup ça veut dire qu'ils ont même pas laissé. Y a rien du tout de l'ancienne map en fait. Non mais je veux dire ils ont même pas laissé comme ils avaient laissé le mode zéro construction. Bah non, je crois pas. Alors, pour info, je déteste encore plus que Fortnite Origins. Eh bah, yonk. Bah là, j'ai l'impression... Bah moi, en tout cas, sur mon écran, j'ai l'impression que c'est plus beau. Les arbres et tout ça, non? Les arbres sont aussi... plus beaux. Ouais, apparemment, les déplacements ont changé aussi. Ta façon de... battre des pieds pour avancer. Ah bon? Putain, j'ai un nouveau flingue. Bah du coup, ouais, on découvre du genre aller là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'avais mis mon ping ici en disant, bon, on va loin et puis on avance. Oh, y a un c'est quoi, c'est un bateau pirate là? Ou c'est des éoliennes? Non. Tu vois à droite là? Là. Non. Ah ouais, des éoliennes. Pourquoi tu détestes encore plus que la map 0G? Putain la vache, la ville en dessous elle a l'air d'être... Ah non. Ah si, elle a l'air d'être grande quand même, non? Parce que là on est quand même relativement en hauteur. Ouais. Elle a l'air d'être grande, plus grande la map, non? Je sais pas. C'est une impression à cause de des reliefs, je sais pas. Je sais pas. Je ne saurais te dire. Mais tu vas au bon endroit là? Bah ouais. Ah t'as sauté bien plus tard alors. Ah y'a un train. Où ça? En dessous de moi. Ah! Ah oui. On peut aller sur le train. Comme dans Red Dead. Ah, j'espère qu'on peut passer sous le train aussi. Voilà, la tech train. On met un mec KO et on le met dans le train. Enfin, la sous tech le train. Wagon. Tech wagon. Ah, je suis un peu bas en fait. Bah ouais. Et y'a un mec qui a atterri derrière toi. Ouais.
Putain, mais j'ai l'impression que ça fait 27 minutes que je suis dans les airs. Ah. Ça dit, la map elle est plus grande. Comment ça? J'en sais rien. Non mais ça parle à côté de moi là. Qu'est-ce que c'est que ces armes? Oh! Bang bang, le killing. Tu comprendras peut-être pourquoi bien assez tôt. Putain mais qu'est-ce que c'est que ces trucs là? C'est quoi les... Il y a des symboles en dessous du nom de l'arme. C'est des accessoires? Là j'ai un coffre. Que c'est? Une flobée. Je mange? Oh! Putain par contre le viseur il a l'air d'être horrible. Effectivement quand tu marches accroupi c'est différent l'animation des jambes. Ah! Oh! Un bot je crois. Le canard. Il n'y a plus de bot. Oh il y a une carte! Carte à puce? Ah bah oui c'est... C'est là où il y avait le coffre en bas là. Je vais aller au coffre. Ah, on est en construit, c'est vrai. Ah putain, oui. Ouais, bah je sais pas. Pistolet prédateur. Ouais, bah... Gardez ce que j'ai déjà. Hein. Ah ouais. Est-ce que si tu te mets à côté de moi quand je mange une baie... Oh! Oh, j'ai plus de gravité. Attends, viens. Ouais, j'ai gagné. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a des accessoires sur les armes maintenant. Ah bon? Bah, tiens, regarde. Prends le fusil à pompe là. Ah oui, regarde. Et en fait, quand tu te mets dessus, tu vois, en dessous de du nom de l'arme, t'as des carrés. Ah ouais. Oh là. Ah oui, toi, il est full équipé. Et même là, quand tu regardes, c'est marqué viseur point rouge, chargeur rapide, laser et frein de bouche. Ah ouais. Oh là là. Ça c'est Call of Duty-zé. Oh non. Ah, moi j'aime mieux quand c'est simple, hein. Je suis pas aussi doué que ça. Oh. Ah non, c'est la même arme. Il y a le retour des lingots. Mais du coup on a même pas découvert la zone ici. Pistolet, mitrailleur à rafale tonnerre. Y a quelque chose en bas ou pas? Mais en fait, ça a rien à voir avec les Lego alors, la map. Mais non, mais c'est juste la map en mode Lego. Mais là, on n'est pas dans le mode Lego. Ah ouais, non, mais moi je pensais que justement ils allaient faire une map. Oh, ah non, il y a aussi le mode Rocket League. Ils vont pas faire mode Lego et Rocket League en même temps. On va où? On va genre là. Vas-y. Je crois que c'est là qu'il y avait des bots. Enfin des mecs qui ont atterri. Je crois. Ah oui, il y a un mec en dessous de moi. Oh putain le viseur laser sur le pompe, c'est pas bien. Effectivement, c'est bizarre même quand tu cours. Il est parti où? Oh les pieds. Bah. C'est qu'il y a des pieds. Ah oh, putain oui c'est la merde. Prendre ça, ça a l'air d'être pas mal. Mais ouais, le viseur laser comme ça sur le pompe, ouais, premier avis, non, je suis pas fan.
Non plus. Tiens, je sais pas où t'es. Oh. C'est quoi ça? Bon, je préfère ça, hein. Putain, mais y'a plein de trucs ici. Y'a des coffres partout. Y'a une nouvelle animation quand tu bois ta gourde. Ouais. Même que tu peux sauter en buvant ta gourde. Des pieds. Y'a encore des pieds. Aïe. Ah, yeah. A bien la peine de tout construire comme ça. Abruti. Oh, j'ai vu des balles de snipe, ça veut dire qu'il y a des snipers? Fusil de sniper faucheur. Ah, y a pas de viseur? Ah. Oh là! Ouais. Bon. Oh là, c'est pas bien ou. Oh là, ça fait beaucoup de bruit quand tu tires. Ah. Oh là! Oh là! Oh! D'où provient cette mélopée douce? Je pense qu'ils peuvent pas se permettre de laisser trop de modes de jeu activés, genre le mode 0G, plus ça, plus mode Lego. Parce que du coup, tu divises tellement les lobbies que on se retrouverait qu'avec des bots. Ah, ça va, c'est pas comme s'il y avait 3000 joueurs sur le jeu. Ouais, je sais pas. Là, tu vois, rien que sur le truc Lego, là, il y a 1,5 million. Je pense qu'en simultané, ils doivent. Je sais pas, c'est peut-être. J'allais dire, ils doivent au moins tourner à 800-900 000 joueurs en simultané, une moyenne, non? J'en sais rien du tout. Je sais qu'au pic, à la découverte de la map 0G, c'était 40 millions. 40 millions? C'est comme si toute l'Espagne s'était connectée et avait commencé à jouer. Ah bah oui, c'est ce qu'on avait dit. Ah bah du coup, en fait, c'est de la merde alors. Il y avait combien là? 1 million et quelques en Fortnite machin bidule? Bah c'est ce que t'as dit, ouais. Ah oui, donc non, alors le pic de la 0G, c'était pas ça alors. Enfin, c'était bien au-dessus des 1 million. Bon, bah on s'emmerde ici. Classy Yaourt, comment ça s'appelle la ville? Classy Courte? Classy Yaourt. Ah putain, si, j'allais dire, on a plus de barre d'endurance, mais ici. T'as vu le trailer de GTA 6? Oui. Mais effectivement, quand j'ai vu la date de sortie, j'ai fait ah. Ah mais c'était bon. Sûr. Oui, bah oui. Ça allait pas sortir en décembre. Oh, le train! Il arrive? Je sais pas, j'ai... Je vois l'immo de train. Ah oui, il est là! Non, on va se faire... On peut grimper dessus, tu penses? Bah ouais. Je sais pas. Il arrive vite ou pas? Je vais faire des barrières pour l'arrêter. Je crois qu'il en a rien à foutre, monsieur Frodon. Ah oui. Est-ce qu'on peut monter? Oui. Oh! Je l'ai eu en plein vol. Qu'est-ce que c'est? J'ai piraté le coffre. Putain, ça me fait penser à Uncharted 1 là. Ah, mais là je peux pas avancer. Y a peut-être que un train, donc ça se trouve y a du monde dedans. Caché. Bah non, on peut pas rentrer. Ah. Ah, bah c'est fini. On est arrivé à Poudlard. Les premières années. Suivez-moi s'il vous plaît. Ah, on s'arrête pas? Non, mais du coup, attends, si jamais il va vers la tempête, on est baisé aussi. Bah là, je crois qu'on revient en plein milieu de la zone, donc ça va. Salut, Nice Monkey. Ah! Wouah! Oh putain, t'as tagué le train partout! Oups! Ah bravo! Bravo, Bernard! Ouais, super! Oh, ça a l'air d'être bien ça, non? Oh putain, ça a l'air d'être mieux! Fusil à pompe automatique Fury. Oh ouais, bah je vais prendre ça. Je prends lui alors. Par contre, j'ai vu des pieds qui nageaient.
Ah bah on s'en fout. Eh, hey, faut pas qu'il s'arrête. Surtout qu'on est pas vraiment caché. C'est quoi? Oh, une carte. C'est moi qui conduis le train. On peut construire sur le train. Non. Non, tu casses tout. Casse tout. Ah, j'aime bien le train. Ah, il y a un mec devant. Oh, j'ai mis 105 et il s'est charapaté. Il est dans le buisson. Est-ce que tu as déjà vu un train sur un train? Trainception. Ah, ils vont me carjacker. Bah alors, ça veut pas grimper? Je crois qu'il se tire dessus. Pas facile de viser quand le train bouge. Ah, ils ont voulu me tendre une embuscade. Par contre, on va vers la tempête là où on descend. Bah oui. Au revoir. Bah on va aller leur casser la gueule alors, non? Ouais. Ils arrêtent pas de se tirer dessus. Salut! T'as trouvé ton bonheur? Ouais. Ah bon? Bah, faut que je sorte le chien. Ouais, tu le fasses pour moi. Voilà. Bof. Qu'est-ce que ça? Je pille la cache. T'as vu mes chaussures? Non. Tu les as envoyés en photo? Ah ouais, mais j'ai plus d'argent. Ah! Tu les as achetés? Non, j'ai pas pris. Je t'ai dit, en attendant d'être riche, je prends ça. Oh! T'as rien à voir? Ok. Mais du coup, t'en avais pas besoin de ça? Bah si! J'en ai pas des chaussures d'hiver. J'ai celles que Philippe m'a données, mais elles sont trouées à l'avant. Mais alors, lourdement, ces godasses. Parce que là, t'as empilé le vide. Lourdement, putain, t'as un panard, mon gars. Je me prends un coup de ça. T'es morte. Je suis mis dans le coma. Ils sont énormes, ces guêpes. C'est du 43. Waouh, c'est chaud. Bah, ça va. Waouh. Qu'est-ce qu'elle a contre ceux qui ont quelque chose du 43? Je sais pas. Ouais. Je crois qu'elle nous juge. C'est pas un sniper, ça? Mais regarde, ton yep il fait la taille du chien. Ouais, il fait. Franchement, il fait un demi-chien. Tu rigoles, il monte la tête. Regarde les chemises que j'ai prises. La noire? J'en ai pris deux noires. Ah, parce que bien. Comme t'aimes pas. Et j'ai pris deux jeans. Franchement, la noire, elle est trop bien. Et j'ai pris le manteau qu'elle a. Ah, c'est lui alors? Ouais. J'avais cru voir. Il y a les pieds, les pieds. Tu vas acheter les autres? J'ai quoi? Tu vas acheter? Acheter quoi? Jeter quoi? Ta veste toute pourrie en lambeaux là. Oui. Tu l'es lourde, hein. Oui, oui, je vais tout jeter. D'accord, t'accumules pas? Non. Merci. Elle est pas mal ta veste, j'aime bien. Et du coup, elle était à 40 balles? Oui. Oh, tu l'as trouvée où? À Kiabi. Ah, j'ai oui. Tout pris à Kiabi, les chemises. Non, les chaussures, je suis allé à la chaussure. Ok. Merde, nous. Ouais, c'est cool. Franchement, il a rien à. Putain, j'aime bien cette arme. Il a rien à envier ou à 100 balles. Bah, c'est pour ça que je me suis dit, quitte à prendre du faux cuir, autant bah ouais, ça hein. Coûte pas non plus 1000 ans. Enfin, 1000 euros. Moi, l'horloger, il m'a refait ma montre. C'est pas ma montre, mais maintenant ça va devenir ma montre. Comment ça, il a refait ta montre? Bah, il l'a réparée. Elle était cassée. Ah bon? Je crois qu'il avait juste plus de piles. C'est quoi les trucs qu'il y a derrière là? T'as les autres zones? Ouais. Ah, je sais pas. C'est peut-être une zone avec du vent. J'ai pris ça pour que tu fasses du chocolat chaud avec. Apparemment, il est très doux. Oh. Alors, c'est du qualité, c'est pas du poulain. Hein. Ouais, je vais pas mettre. Ah, merci. On va goûter ça ce soir. Avec du lait chaud et un petit peu de sucre. Voilà.
J'ai pris ça pour Richard. Je vais essayer de les mettre dans un papier, tu sais, transparent pour l'emballer. Ouais. Avec un petit nœud. Donc, mon œil. On dirait de la confiture. T'as vu? Comme ça, il pourra les récupérer. D'accord, en fait, il n'y a pas de... Comme la confiture, c'est pas stérilisé, tu veux sentir? Je sens pas grand-chose. Ah si, tu vas sentir, je te jure, tu vas sentir. Ah ouais, ça sent bon. Ça sent bon? Ça sent le propre. Ça sent le mon-œil. Le fait que tu n'aies même pas miné pour le mon-œil, c'est ouf, quand même. J'aurais peut-être dû prendre le musc, mais je trouvais qu'il était tellement chargé et je n'osais pas, et comme ça capte pas. Ouais, ça sent bon. Il y a des pas sur nous. Le musc, c'est oriental. Ça sent bon l'oriental. Et j'ai pris. Il est tombé. Une petite boîte d'allumettes. Et du coup, je pensais le mettre comme ça. Moi, j'ai que cette boîte d'allumettes, mais ça sert à rien. Comme ça. Et je fais un papier comme ça avec un nœud. Ah ouais. Ça t'en bats les couilles. Bah non, tu vas faire ça avec un nœud. Pour ton grand-père, hein. Je me fais chier. Est-ce que t'as des balles de sniper? Non. J'ai pas acheté de balles de sniper. Merci. Effectivement. J'ai acheté ça pour ma maman. Ouais, un beau sac. Oh la vache! Il est garanti à vie. À vie? Ouais, les cabayas ils sont garantis à vie. Et donc. Et j'avais ça, c'est une pochette amovible. Et j'ai deux petites pochettes que je peux rajouter sur les côtés gratuitement. Enfin, pas gratuitement, mais... Et ça coûte combien un sac garanti à vie? 79€. Aïe. Bon, c'est pas cher hein, pour un sac. Hein. Ouais, je sais pas. C'est pas cher du tout. Je connais pas les prix des sacs. J'ai une potion 50 si tu veux. C'est bon. Mais il est beau, bon. J'aime bien. Merde. J'ai pris ça pour la maman. Il y a des mecs devant toi. Ouais, je sais. J'ai pris ça. Oh, c'est bien, ça rappelle la Rochelle. Il y en a un qui est descendu. Ouais, Et ça, je me suis pris ça pour moi. Mais j'en ai pris un pour ma maman aussi. Parce qu'elle a été gommée en Normandie. Alors, je suis jardin tropical. Tout le monde me demandait des sacs. Genre, vous voulez un sac, vous voulez un sac, vous voulez un sac. J'ai dit, non. Je porte déjà un sac transporté dans un sac. Moi je vais vers la zone direct, Damien. Elle me dit, ah oui, c'est vrai. Je dis, bah oui, le cavaillard que je dis. Oui. Un sac dans un sac. Je sais pas comment lui offrir le sac à dos, parce que faut pas l'emballer. Tu vois. Bah si. Ou alors je. Attends-moi. Bah, non. Je vais revenir avec mon travail. Ça, c'est trop, trop beau. Oh. Effectivement. Si je suis invité quelque part à Noël, je t'enverrai faire toutes les courses. À chaque fois, tu te retrouves t'as avec comme des trucs. C'est trop bien. T'as vu comme je fais des choix hyper stylés. Ouais. T'as bien, vu, temps. Hein. Ça vibre, non? Ouais, ouais. Non, mais ils sont là, ils sont là. C'est trop beau. C'est du 2 contre 2. Et les mecs sont derrière. Ouais. Oh, il monte. Oh la vache. Il est sur moi. Je l'ai eu. Oh, derrière moi. Bien joué. Derrière moi. Sur moi. Je l'ai éjecté. Oui, je crois. J'ai les petites potions si tu veux. C'est bon. Bah, je sais pas où il est. Hein. Bah, j'ai tué son copain alors. Bah, je vais attendre là. Si t'as une grosse potion, tu peux me l'envoyer. Merci. Il est revenu. Oh merde. Je me suis éjecté dans la tempête. Je sais pas où il est. Je sais pas non plus.
Ah, il est sur moi. Oh putain, j'ai mis un coup de pompe dans le dos, mais... Oh non, putain, ma première balle était bonne, mais il lui reste combien de vie? Il lui reste 25 de vie. Je suis deg. Oh non, on aurait pu faire top 1, mais comme beaucoup de saisons qui commencent, on commence par un top 2. Top 2 encore et encore. Si on avait commencé par un top 1, on se serait dit qu'il y avait non, c'est comme d'hab. J'ai pas entendu tout ce que t'avais dit parce qu'il y avait canard coin coin, mais je pense avoir compris l'essentiel. Canard coin coin. Vas-y, je mets mes nouvelles chaussures. Ah ouais, on enjambe en fait maintenant les... J'aime bien l'animation. Alors ça va me faire mal au yep. Hein. Oh putain. On dirait que j'ai mis mes chaussures dans un sabot en bois. Ah. Ça fait le même bruit quand tu marches? Je sais pas, mais ça va bien casser les couilles aux voisins du dessous en tout cas. Oh là, bah celui-là je le veux pas. Hein. Je suis allé faire ma vaisselle, merci de m'applaudir. Bah bien joué, bravo. On sous-estime les bienfaits du travail manuel. Ah. Oh, belle chaussure. On va là? Avec ça j'aurais l'air d'un homme. Ah ouais. Avoir des ampoules. Bah oui, c'est pour ça que je les mets maintenant, comme ça je vais m'y habituer. Faut les bourrer avec du papier journal. Bien, quand j'étais en BTS, mais je m'étais acheté pareil des chaussures. Quasiment les mêmes, sans doute. Et j'avais marché toute la journée avec, j'étais en tournage, et le soir j'avais tellement mal. Enfin, j'avais des ampoules de partout, je boitais. Mais vraiment une grosse douleur, enfin à un moment tu peux pas lutter, ça fait vachement mal. Et dans le bus, les gens ils voulaient me laisser leur place, tu sais, comme si j'étais vieux ou handicapé ou enceinte. Je me dis non, ouais, c'est bon. Ouais. Quoi faire avant les fêtes de Noël comme prochaine dépense? Bah non. Pourquoi aller chez le coiffeur? Bah pourquoi payer surtout? Bah oui. Mon frère est coiffeur. Va payer. Payer? Ah là c'est bien, c'est bien en retrait de tout là. Là y'a rien. Mis à part ce bâtiment, y'a rien. Je sais pas ce que c'est que cette musique. Quoi ça? Oh, ça ressemble à un pompe tambour ça. Bah le pompe que j'avais il était pas mal. Hein. Il y avait pas de coffre? C'est où que j'ai vu? Ah bon bah... J'ai cru qu'il y avait un coffre. Allez! Fusil d'assaut percuteur, c'est pas ça que j'avais? Ah non. Ah oh mais non, mais moi je veux pas avec le viseur. On peut pas retirer le viseur. Attends. On peut pas retirer le viseur? Inspecter. Ah non. Putain, c'est con parce que c'est de la merde le viseur. C'est toi qui tire? Ouais, ouais. Bah, je vais essayer de m'y faire, mais. Oh! Un bouclier! Un bouclier? Ah oh, c'est trop bien, bah c'est bon top 1. C'est quoi comme bouclier? Viens voir. Attends j'arrive, je prends les coffres et j'arrive. Ah oui. Viens on va essayer de bloquer quelqu'un dans l'eau. Regarde le bouclier. Gang bang et...
Comment il s'appelait? Ah, Il y ça a se soigne. gris et gangbang. Oh, j'ai envie de faire du MW2 au bouclier. Gris et gangbang. Attention, balle dans le dos. Ah oui, putain, tu peux sprinter avec le bouclier et tu peux pousser les gens avec. Oh, Incroyable. Tu vas nous faire du Star Wars, mais ici. Oh, c'est comme si j'étais une répulsive moi-même. Oh, chance. Essaye voir de me pousser. T'es où? Il me faut un peu d'élan. Ah, attends, bah. Je vais là. Y'a rien, y'a pas le vide derrière. Hein. Ah. T'as raté. Réessaye pour être sûr. Ah non. Je suis droit et fort sur mes pattes. Et puis t'as même pas ça, t'as même pas vacillé. Hein. Vas-y, va, réessaye voir. Oh! Non mais les alliés, on peut pas. C'est quoi ça? Comment ça, fusil sniper, c'est pas un fusil sniper ça? Mais bah, du une coup c'est bien, flobée. je ferai la pas et toi tu pourras tirer sur les ennemis. Une flobée. Ah non mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est l'inverse. Piou 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 piou. Oh, la zone. Comment on s'en va d'ici? Ah. Oh, cet équilibre. Parfois, je suis sur zéro pied sur la moto. Bonjour. Pilote. Je croirais quand même sur Red Dead Redemption 2. Hein. Avec la moto? Oh ouais. Évidemment, tu remplaces la moto par le cheval. Ah merde, j'aurais dû lui foncer dedans avec mon bouclier. Ah, je vais faire avec le bot. Tiens toi! Ah, il a disparu! Il y avait une carte. Par là. Ta puce. Alors c'est en dessous, mais comment on y va? L'antivirus. Par là. Ils ont pas changé cette animation, c'est bien. Tant mieux. Oh. Oh la vache. Tiens, tu veux ça? Ouais. Faut déjà rebouger, mais la zone elle vient pas d'arriver là? Non? Bah, je sais pas. Ah, qu'est-ce qu'on peut acheter? C'est long à recharger, ça. J'ai envie de relancer Red Dead. Ouais, moi aussi, c'est ce que j'ai voulu faire, mais je me suis souvenu que c'est pas un jeu que j'aime faire et refaire. Surtout que j'ai perdu ma sauvegarde, du coup, ça veut dire que je suis obligé de tout recommencer. Je peux pas faire nature, chasse et pêche comme je voudrais ou je voudrais. Après, tu peux faire le premier.
Ah ouais. Oh, j'ai envie de jouer à Nightmare. Ah, il y a une voiture en bas là. Ah, il passe en dessous. Putain! La visée catastrophique. De même. Putain, si on avait une moto, on les aurait pris en chasse. On peut pas faire exploser le pont. Le train. Salut Overlit. Overlit. J'ai trop hâte de vous rejoindre. Bah, c'est pas une demande concrète ça. Puis y a pas de, y a toujours pas de politesse. Comment ça t'as hâte? En gros ça veut dire qu'il veut venir. De toute façon je les entends pas. Ouais. Ah bah très bien. Oh. Et petite musique. Oh le bouclier, moi aussi. Bouclier anti-émeute. Alors c'est comment que tu charges? Bah tu sprint. Moi ouais, c'est marqué non attribué. Oui. Mais c'est quoi ces jaunes? Attends, je vais aller dedans. Bah on y était tout à l'heure, je crois, dedans. On n'était peut-être pas à l'épicentre. Ça se trouve c'est toxique. Bah ouais. Et ça change quoi? Je sais pas. Merde. Oh la vache. Oh, c'est les cultures du permagoth. Si on reste longtemps dedans, putain, j'ai l'impression que le cercle est devenu plus foncé. Oh. M'énerve à tirer comme ça, lui. Oh la vache, ça construit vite, hein. Aria, tu ronfles. Ah, il a un sniper, je crois. Ouais. Tu veux que je fasse la pas avec mon bouclier? Non, non, non. Il a l'air très fort. Quand on réussit, ça... C'est inaperçu. Mais il divise toi. Hein. Bon. Oh, il t'a vu. Évidemment qu'il m'a vu. Pas touche à mon copain. Je crois qu'il se fait back. Ah oui. Je crois qu'il s'est fait buter même. Je vais dans la baraque moi. Ok, je vais me cacher. Oh. Voilà. Putain, il marche lentement en... accroupi. Ils sont deux. Je suis caché. Je suis caché derrière un gros tonneau. Ah bah je me barre. Comment ça? Pas récupérer les fruits là-dedans.
Il ne s'agit que de quelques fruits. C'est la bagarre, attends, j'ai l'impression que le cercle jaune c'est The Place to Be. Bah moi, moi j'y suis plus. Hein. Oh! Le parapluie tympan, trop moche. On peut pas savoir, nous on a fait top 2. On sait pas ce que c'est de faire top 1. Oh merde! Ça, ça veut dire qu'il faut que je retourne vers les connards? Ah non. Attends, mais j'avais quoi, moi, que j'ai posé, là, pour prendre... rien. Ah non, c'était mes répulsives. Tu mets mes nouvelles chaussures? Elles sont belles, hein. Ça... Quoi? Des Nike. Papa, c'est Nike. Non, c'est pas Nike. Ça, plus mon jean comme ça, retroussé. Ouais. C'est des slims en plus. Le feu. Et la petite chemise noire. Ouais. Oh. Léger. Ouais. Ouais. Léger. T'aimes pas? Si. Non, si, elles sont sympas. Comment ça, elles sont sympas? Elles sont trop belles. Oh putain! Bon, pas... C'est pas mon premier choix, mais y avait pas ma pointure. Non, mais franchement, elles sont sympas. Non, si, elles, je les aime bien. Merde! Mais putain! Dans ta chemise noire là, fou! Tain, là, t'auras au moins 1000 viewers de plus. Y'a Crazy qui va clamser. Parce que t'es trop BG dans ta tenue? Non, parce qu'ils ont tiré dessus. Ah mince. Oh! Je crois qu'elle est pressée. J'ai peur! Ouais, bah je crois qu'elle va aller bien faire. T'es où? Oh, j'arrive! Je fuis! Ne viens pas, ils sont forts! D'accord. Tu peux rallumer, s'il te plaît? Tu peux rallumer, s'il te plaît? Au-dessus. Bah moi je fuis. Hein. Ah bon? Oh! Mais j'ai mal à l'épaule. Bon bah... Je fuis... Oh putain, mais il tire juste derrière moi, mais... Oh, une voiture, alors là. Salut. Que je viens de chercher? Attends, moi j'essaie de retrouver un peu de vie. Oh non, mais t'es loin. T'es bien, là. Moi, je fuis, moi. Oh non, y'a un mec devant moi. Oh, la vache. Ça, je prends, ça. Je suis désolé, mais avec les nouveaux graphismes, on se croirait dans Red Dead. Hein. À ce point-là? J'irai pas jusque-là, moi. L'herbe est mieux faite, hein. T'imagines les gens qui jouent sur Switch? Eux, ils voient pas une grande c'est différence. C'est toi, la voiture, oui. Et après... Tiens, viens, y'a des slaps là. Bah, trop tard, y'a la tempête. En fait, y'a une tempête. Un concours d'articulation. C'est vrai que c'est joli, le paysage. Oh, y'a des pas. Y'a des pas à gauche. Oh non. T'inquiète pas, fonce! Oula, pourquoi on a une miniature qui rebondit? Ah oui, c'est. J'allais dire, t'es pas remonté. On va aller. Oh, c'est joli cette petite ville. Ça fait une petite ville espagnole. C'est moi, il y a des mecs qui volent. Ah non, c'est les drones. Oh la vache, on se croirait à Séville. Attends, faut retourner derrière. T'as déjà été à Séville? Ouais. Ah. Ça ressemble pas à ça, mais. Mais on se croirait. Ouais. Voilà. Tiens, il y a des trucs là si tu veux pour te remettre un peu du shield. Je pense que tu me fais faire leur fille sérieux là. C'est parce que... C'est quoi ça? Sniper? Y'a un poisson bleu là. Putain, mais les zones elles arrivent vachement vite ça. Ouais, je crois que les gens s'étaient plaints sur Twitter, j'ai vu.
Du coup, il devait l'avoir patché. Apparemment, non. Par contre, je sais pas ce que c'est que les trucs jaunes, toujours. Il y en a plein maintenant. Moi j'ai lâché mon bouclier parce que ça c'est peut-être pas ouf. Ou à la limite ça pourrait être intéressant si tu le places dans ton dos et que ça te protège le dos, mais je suis pas sûr. Ouais. Oh putain, elle avance vite en plus. C'est moi ou on a reçu une balle là? C'est toi? Non, non. Ah putain, ouais! Il y a un mec juste devant nous. Ah, oh, il s'est envolé. Putain, mais on va crevax. Oh! Je suis dans les égouts! Y a des mecs sur moi. Oh putain! Ah non. Oh, qu'est-ce que. Qu'est-ce que. Ouah! Bordel. Bah Damien, je suis dans les égouts, moi. Et moi je suis mort. Oh putain. Mon loot. Prendre les bandages ou pas? Il y a un sang complet. Oh, tu es un pneu. Oui. Mais le problème, c'est que là, à mon avis, je suis baisé. Parce que je sais pas comment je remonte. Ah, t'es dans la zone donc. Ouais, celle-ci, mais la prochaine, je suis pas sûr. Hein. Y a pas une bouche d'égout en hauteur? Bah. Je peux construire en remontant. Je suis pas certain Peut que ça se peut-être casser passe. le vitraux, non? Et là, les escaliers, ça mène pas au dehors. Il est paumé. Ah bah voilà. Moi, je serais toi, je resterais bien caché dans le métro. On est bien là. Clayton. Par contre, il bouge les pneus. Non mais là, je suis grillax. Ouais, faudrait peut-être que tu te mettes. Ah oui, bah alors là. Mon avis, ça va être ridicule, hein, je te préviens. Pas grave. Fera top 2, comme d'hab. Ah, pour le moment, c'est top 3. J'aimerais bien qu'ils se tirent dessus, les vilains. Parce que c'est du 2 contre 2. Il a hâte parce qu'il vous aime trop, vous êtes comme ses grands cousins qu'il admire, il est fier à vos côtés, le bambino. Il n'y a pas de quoi être fier. Qui c'est qui est fier? Bah, Overtlight. Ah. Tu te soignes pas? Je pouvais pas quand j'étais dans. En pneu? En pneu. Il y a un mec qui va arriver juste devant moi. J'ai une Voilà. répulsive. Ça doit être le mec tout seul. Oh! Ouais, Tiens, elle avance vite aussi. Il y a des mecs derrière moi. J'essaye de pas faire de bruit, mais je crois que c'est baisé. Hein. bon, ils se battent entre eux. Oh merde! Ah, ça avance pas! Je suis baisé. Ah, c'était sûr. Allez! Oh putain, ça a changé la direction. Bah, je suis mort. Ah, il faut se donner de l'inertie avec une Ouais, mais répulsive. le problème, c'est que. J'ai. Ouais. Ouais. Bah ouais. La prochaine partie, celle d'après. Ah.
Bah au moins personne t'a tué. Effectivement, je me suis buté tout seul, comme souvent. Merde. C'est quoi qui fait tic tic? Ah, il fait un clapping tout seul. Je peux pas faire pareil moi. C'est pas ouf hein, comme clapping. Oh merde, j'ai accepté un truc. Je crois que j'ai accepté un défi. Ah. Où est-ce qu'on va, chef? Là? Vas-y. Un rebelle roost. Ah merde, putain, j'avais dit que je décongélerais mes haricots verts. J'ai oublié. Bah si à un moment on est caché, faut me faire penser à aller décongeler mes haricots verts. Ça, ça a un goût d'haricots verts. Oh, les arbres sont très beaux. Hein. Ouais, je t'ai dit, on dirait Red Dead. Peut-être pas, à la limite le premier si tu veux. Parce que le premier. Mais non, tu peux pas comparer ça au deuxième. Bah. Non, 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 Damien. Retourne sur Red Dead 2 et. Ah. Lame grappin. Oh, la belle mélopée. Lame grappin. Bah, je peux pas prendre lame grappin. Oh, tu m'as fait peur. Il y a des trucs là si tu veux du shield, mais j'ai pas d'arme moi. Tu veux pas du shield? Je vais surtout rentrer là-dedans. Ok. Bah, je prends le shield. Ah, ça atterrit. Oh, c'est la fête! Oh non, ils vont nous casser la gueule. Mais non, ils ont pas d'arme. Il y a le dessus là. C'est un abruti, y'a pas de mal à se moquer des abrutis, ils sont là pour ça, non? Il est où? C'est toi qui as construit ça, là? Ouais. Oh, il m'a fait peur! Il est tombé. Oh! C'est bien ça, non? Oh, y'a des flèches qui indiquent. Faut que j'aille par là. Je vais suivre les flèches. Oh, les flèches m'ont mené à toi. Ah bon? Ma promise. Là, il y a un fusil de sniper faucheur, si tu veux. Ça. Ouais. Tu veux les balles qui vont avec? Ouais. Ma promise. Oh putain, là, si tu te mets là, Damien, ça te fait penser à quelque chose? Bah ouais, c'est dans le théâtre. Ah alors oui, moi j'aurais dit le mode zombie tout court. Mais oui, effectivement. Oh. Vous aviez envie de faire un zombie au fait la dernière fois que tu m'avais proposé? Bah, Tim a proposé. Alors j'ai fait bah seulement 6 acrésip. Puis sinon finalement on a décidé de faire Battlefront. De toute façon je crois qu'il est plus installé moi Black Ops. Black OPS.
passer? Ah oui, on peut passer par là. Très bien. Lame grappin. Je pouvais pas payer, c'était trop cher pour moi. Pourquoi tu ne manges jamais d'haricots? Tu sais quoi, on est... Merde, on est dans la zone, je me mets dans ma voiture, je vais décongeler mes haricots. Que manges-tu comme légumes? Oh, je suis blogué. Bah moi, comme légumes, j'aime bien toutes sortes de salades. Les radis, le melon, toutes les crudités, genre les carottes. Après, dans certains plats, j'aime bien les aubergines. J'aime bien. Alors je sais que je vais être casse-couille, le melon tu peux le manger en entrée mais c'est pas une salade, c'est pas un légume. Oui, bah, peu importe. Peu importe. Ah, j'aime les tomates, tu vois. Oui, gna gna. Peu importe. Bouge pas, faut que je teste mon sniper, enculé. Oh, la balle dans le dos qui l'a rendu tétra. Ah bah lui, il est mort. Et les courgettes, c'est le poireau. Les courgettes, bah oui, quand c'est bien cuisiné ou... C'est rien, oui. Les haricots verts, ouais, sans plus. Des haricots Ça, je verts, m'en avec, fous. des haricots verts cuits avec un peu d'huile et tu mets du paprika fumé dessus. Ouais, bah sans plus. Bon, je m'en fous en fait. Et flageolets. Moi j'aime bien. Ouais. Oui, haricots blancs, rouges, toutes sortes d'haricots, j'aime bien. Toutes sortes d'haricots. Le maïs. Les coco plats. Oh, les haricots verts qui sont plats et longs là, comme des sortes de tagliatelles, ça j'aime pas trop. Ouais, les coco plats, c'est plus. Enfin, c'est pas aussi long que tu le dis. Les haricots beurre. Harry Potter. Où est-ce qu'on va? Je crois. On se balade? Ouais. Moi, j'aime pas les concombres. Ça c'est fou ça. C'est comme j'ai un collègue, il supportait pas les tomates. Il trouvait que ça puait. Ça pue pas une tomate. C'est vrai que les tomates, ça pue pas. Par contre, le concombre, c'est répugnant. L'odeur du concombre. Moi, ça me donne envie de vomir. Après le concombre, c'est que de la flotte, hein. Oh la vache! Ah putain, non, mais c'est le truc de merde. Putain, le fusil à pompe là, il est nul. La même chose. Je le veux plus. C'est quoi ça? Tiens, on va pas faire une tier liste des légumes parce que moi, il y a beaucoup de choses qui iront dans. Dégueulasse. Ben c'est. Ben nous on avait fait fruits et légumes. C'est ça qu'on avait fait. On n'avait pas juste fait fruits. Ah, c'était peut-être que les Ah fruits. si, non, non, si, t'as raison, parce que j'avais mis... Je me souviens avoir classé le brocoli. Ouais, c'est bien, si je me savais que c'était fruits et légumes. Brocoli, c'est dégueulasse. Mais là, là j'en avais proposé 4 sur Discord, je me souviens plus ce que c'est, mais. Les céréales. Attends. C'était où? Tier liste des chips. Tier list sur les bonbons et gâteaux. Tier list sur les boissons sucrées. Tier list sur les films. Tier list sur les desserts. Et tier list sur les joueurs français de foot.
Après, tier list sur les bonbons, genre, tout le monde aime les bonbons. C'est difficile de classer un truc que t'aimes bien dans tous les cas. Bah moi ça irait vite, hein. Tout dans délice suprême. Après, moi, je suis pas genre fan des réglisses ou des fraises tagada, j'en bats les couilles, tu Ah vois. si, fraise Sagada. C'est Bon. bon les fraises Sagada. Réglisse, je peux comprendre parce que c'est particulier. Moi j'aimais bien c'est la le réglisse avec je crois que c'est de la non c'est pas de la pâte d'amande. Si je crois que c'est de la pâte d'amande que t'as au-dessus et en dessous. Ou alors Ah ouais, t'as de la c'est pâte dégueulasse d'amande à ça. l'intérieur et t'as du réglisse entouré autour. Ouais, oh, les Haribo là. Oh non, ça c'est ça. Ah non, je dis pas que je prendrais et que j'achèterais ça. Parce que tu Non, vois, c'est quand même. même dans les boîtes où il y a de ça, j'évite et je prenais les boîtes où il n'y en avait pas. Mais je veux dire, s'il y en a, moi je les bouffe. Hein. C'est comme les 40 sacs, c'est dégueulasse. Bah après, c'est toujours pareil, hein, c'est de l'anis, donc... Enfin, Mais du moi j'aime réglisse, pardon. bien. J'aime bien l'anis. J'aime bien le. Des boissons à l'anis. Sans forcément avec de l'alcool dedans. Ah, le Mais pastis. le réglisse, tu sais, qui fait une sorte de long fil là. Bah je peux Oui. en manger, mais. J'en mange un parce qu'il y en a un. Et parce que on me le donne, tu vois. Et parce Mais que je j'ai vais en train de jamais en mourir de acheter un. faim. Ouais, ou si j'ai vraiment la dalle, quoi, et qu'il y a que ça. Mais bon, ça arrive jamais. Non. Ou alors c'est triste. Hein. Mais non, moi non plus. Mais tu vois, genre. Les petits bon, les langues de chat qui piquent à goût coca, ça c'est trop Putain, mais ça, je bouffais le paquet complet et je sentais plus ma langue pendant plusieurs bon. minutes après. Mais moi, c'est ça, moi, c'est vicieux parce que moi, les. Tout ce qui est sucré comme ça, c'est je bouffe le paquet et. C'est quoi que t'as lâché? Ah, c'est mieux Oh, ça. c'est un tambour, C'est ça. celui-là que j'ai? Genre. Les bouteilles, bon, les bouteilles de coca, t'as les bouteilles de coca rose et bleu. Ah ouais, alors là, les rosés bleus, oh là là, top tier. T'as. Moi c'est les. Je me souviens plus exactement. Ben, je crois qu'il y a. Si, c'est ça le nom. Est-ce que tu connais les Mao Croquis? Non, Mao. Je regarde ce que c'est. Ah oui, ouais. Les gros Haribo là. Bah en fait c'est non c'est pas des gros Dragibus. Dragibus. T'as les gros Dragibus aussi, mais ça c'est différent. Bah non, je connais pas. Et bah Et moi j'aime bien vraiment ce qui est acidulé. ah oui non c'est pas acidulé ça. Oh, par exemple, moi, ma Madeleine de Proust, c'est les Harlequins, tu vois. Oh là là. Les Ça fait Harlequins? peut-être 20 ans que j'en ai pas mangé. J'aime bien les Les Harlequins. harlequins, c'est des trucs de toutes les couleurs là, non? Bah c'est blanc et il y a des rayures Oui, voilà. telles Harlequins, quoi. Ah putain! Ah non, bah, moi non. Bah tu vois, ça, les harlequins, ce serait mes réglisses à moi. Enfin, à toi. Enfin, tu m'as compris. Ouais. C'est le roi Neptune. T'as les bananes aussi. Oh. Bah, tout ce qui est imitation fruit, moi je suis pas fan. Ah si, t'as les cerises en gélatine. Ouais, voilà. Bah c'est bon ça. Ah non, putain, je vais leur penser à un truc. C'est. Les... Pourquoi j'arrête de parler? Les... Tu sais, les cacahuètes mais sucrées. Les reproductions de cacahuètes sucrées. Ah, je connais pas. Faut que je trouve, faut que je trouve. Les joujoux. Non, 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 non. Voilà. Bonbon feuilleté à la cacahuète. Attends, je t'envoie. M&M's. Oh putain, il y a des pieds. Ah! Alors, on est mort, S'il vient. Il vient. Je l'ai déglingué. Il est plus là, il est plus là. Fuis! Fuis mon rey! Tiens! Prends ça et va-t'en! À droite, à droite! Bien joué! Oh! je reste dans les parages. Oh putain, regarde, c'est rat là, qui se jette sur mon loot.
Par contre, c'est vrai que je marche très doucement quand t'es accroupi. Ah ouais, tu vois, c'est chiant. Oh, je suis content de t'avoir donné ce qui t'a aidé à Après, survivre. il m'en restait, hein. Ah, bon, bah. Et merci. Bon. Je sais pas si j'ai fait le copier-coller, mais. Bah, je vais te le mettre dans ton salon général. Ah non, parler de bouffe. Voilà, je vais te le mettre là. Ah bah non, mais attends, je peux faire. Je veux pas. C'est copier l'image. Je les entends. J'espère qu'ils vont pas avoir l'idée de regarder là où t'es. Non, non. Merde, j'aurais dû boire une potion. Oh non. Ils ont des couronnes en plus. J'espère que ta tête, elle dépasse pas du plafond. Pourquoi il reste là? Sais pas. Ça m'inquiète. Tout va bien pour pas que tu t'inquiètes. Germain. Oh. Oh. Germain, boire une potion. Il est tombé là, non? Non, parce que ça va faire le petit la petite croix verte si tu te soignes. Ah oui. Putain, mais cassez-vous! Ouais, c'est ça, allez vous battre. Il y a du poisson. Fort bien goûteux. Tu penses que je peux te Ça. réanimer derrière là ou pas avec les bandages? Ouais, je pense, ça peut le faire. Merde, non, c'est pas ça que je voulais. Sauf si tu trouves nez à nez avec un mec. Allez, cours! Construit, hein. Ouais. Ah ouais, en dessous. Oh la vache, ça y est. Il vivra. Putain, il fait déjà nuit noire, c'est ouf. Moi, ça fait longtemps qu'il fait nuit noire. Bonjour, c'est encore moi. J'ai gardé un poisson, si tu veux. Je sais pas où t'es. J'aime bien la musique là. On se croirait à Disney. Tiens. Oh, joli lancer. Reste dans ton bâtiment. Ah, d'ailleurs, on n'est pas caché. Vous pouvez relancer après parce que ma Switch a plus de batterie. Oh. Oh. À partir du moment où t'as une console qui a batterie, au secours. Vas-y, viens, Damien. Bon, tu joues sur Switch à Fortnite alors que tu pourrais y jouer sur PS5. T'as besoin de quelque chose? Bah, quelques construits. Merde, attends. Merci. Fais-en bon usage. Est-ce que vous allez tester le mode Lego? Moi, je... enfin après, je sais pas si Damien veut le tester avec moi, mais moi, s'il veut pas le tester, je le testerai, ouais, voir ce que ça donne. Oui, bah on testera ça, ouais, je m'en fous. Je suis là pour m'amuser. Je suis pas là pour performer. Ah putain, 5 équipes? Ah, 4 équipes, d'accord. 4? Bah ça fait du 3. Eh bah c'est que des équipes de 1. Oh les pieds! Ah non. Non, non, il y a une équipe de 2. C'est pas nous? Non. Enfin, il y a deux équipes de 2 en plus de nous. Enfin, non, bref, il y a une équipe. Bref. Il y a nous et une autre équipe de 2. Y a Sandy qui m'appelle.
Y a des pieds. Oh, ils sont là. Allô? Oh, c'est les connards. Oh putain. Je voulais savoir ce qu'on répondait. Pour moi, le désir est sans changer. On ne fera pas les 750. C'est combien qu'elle veut faire mettre de plus? 50 personnes, 50. Voilà, c'est... Ah merde, j'ai bah, pas bah on facture, hein, non? Bah. Ah! Oui? Ouais, c'est ça, je sais pas. Elle est chiante, elle fait faire ça. Il semblerait qu'il y ait une cinquantaine de personnes en plus. J'en ai bien. Ça ferait 100 crêpes de plus. Ah bah, derrière toi, Damien, derrière toi, derrière toi, derrière toi. 50 crêpes. On fait sur quoi? Oh non, putain, je tirais pas sur lui. Bah, on rajoute. Oh, c'est quoi le symbole là? Oui, je sais pas. Oui, il faut lui demander si c'est 50 x 2 ou si c'est 50 tout court. Oh, il avait combien de points de vie? 4 points de vie! Je vais te re-rappeler une fois qu'elle m'aura répondu. Donne-moi les deux scénarios. C'est ce qu'on fait. Ou est-ce qu'on. Eh bah, dis-lui que si c'est juste 50 crêpes, eh bah, on prévoira un peu large et ça ira. Si c'est 100 crêpes de plus, là, on risque d'être limite et dans ce cas-là, on rajoute à la facture. J'ai vu que le mec il a fait le tour de toi et il t'a tiré dans le dos. Lequel? Ah oui, bah, en fait, t'as tué. En fait, j'ai essayé de rentrer dans sa construction, donc je tirais en continu en étant collé à la construction. Et en fait, je voyais quelque chose au fond et à un moment, je l'ai touché. Et après, en fait, bah, il s'est décalé quand je suis rentré. Et du coup, le temps que je me retourne, bah. Mais il avait 5 points de vie. Ah, dommage. Mal. Oh! Moi aussi, je peux! T'as vu, Bruno Genesio, il va peut-être revenir. Ouais. Ta prophétie s'annonce juste. Bah. Magie, vous n'auriez jamais dû le dégager. Ouais. Ah, il fallait faire une petite pause. Vous pouvez pas rester là 10 ans non plus. J'ai vu que statistiquement, avec le nombre de points qu'on avait, aucune équipe ne s'était jamais maintenue en Ligue 1 à ce stade. Après, il y a toujours un début à tout. Hein. Oui. Ouais, moi, mais... j'ai surtout vu. Tu connais Zach Nani? Oui. Bah, du coup, c'est supporter de Lyon et il a dit un truc qui fait froid dans le dos. C'est que Lyon est déjà en déficit à l'heure actuelle à cause du stade et à cause du président qui sait pas gérer. Et du coup, s'ils vont en Ligue 2, bah, le déficit sera toujours là. Mais ils auront des revenus en moins. Donc, ils pourraient être même re-rétrogradés en national. Oh la vache. Donc il a dit la situation est dramatique s'ils n'arrivent pas à se maintenir. Bah ouais, il y a beaucoup de gens qui parlent de tous les salariés et tout ça qui vont perdre leur emploi. Enfin. Bah tu vois, ça aurait pu faire la même chose à Nancy. Hein. Mais là, j'imagine que de descendre de L1 en D3, ça a quand même mis un coup. Ah bah oui, forcément. Forcément. Après, tu vois, on est plus une équipe de Ligue 2 qu'une équipe de Ligue 1, mais comment? Le truc, c'est que là, descendre carrément en D4, oui, en fait, 4. Je crois que... En fait... Oh! Attends, je bug. Ah non. Mais en D4, tu perds le statut pro. Ouais. Si tu remontes pas, donc... Bah là, tu peux... Bah, là, on aurait pu avoir Luçon Nancy. Bah ouais. C'est quoi tous ces gens qui vont ici, là? Barrez-vous? Ouais, barrez-vous!
Ah, c'est ça, va cassez-vous, bande de tarés. C'est dans quoi ça? Oh! Qu'est-ce qu'il me veut le. Il vient là. Il a un malaise. Il a un malaise, le peignoir. Ah, faudrait que je t'envoie une vidéo. Il y a un mec que je suis qui fait tout ce qui est les comédies françaises. Alors, pas les récentes, hein, je te rassure. Mais genre, il a fait tout ce qui était les deux funès, il a fait le Paris, enfin vraiment tout ce qui est entre guillemets à l'ancienne des comédies françaises. Et là, dernièrement, il a fait une vidéo sur le sur les bronzés, point du ski. Et du coup, dedans, il donne des anecdotes, il... Enfin, il parle de plein de choses du film et j'aime bien, c'est plutôt intéressant. Ah bah je regarderai, tu m'enverras ça. Ouais. Moi qui suis fan de comédie française. Surtout Didier Bourdon et Christian Clavier et Gérard Depardieu aussi. Ah ouais, ouais le mien. Oh, putain, je suis tombé sur un truc. Alors je savais que c'était en parlant de Depardieu. En Corée du Nord? Non. Quand il parle des femmes à cheval? Ah c'est en... mais c'était pas en Corée du Nord, si? Si. Ah bah oui, c'est ça que j'ai eu. Putain, mais je savais que c'était un... C'était dans complément d'enquête hier soir, mais du coup cet extrait avait leak avant. J'ai regardé, effectivement, le mec, mais... mais attends, il y a Sandy qui me rappelle. Ah. Allô? Oui, du coup, elle a triché, elle a dit... 50 et 70, donc du coup je sais pas quoi lui répondre, parce que tout, on avait dit si c'était 50, on prévoit là, donc si c'est 100, on facture, mais du coup comme c'est 70, avec l'apparence, bah tu, on dit, bon, on en prévoit une cinquantaine de plus, et si jamais ça dépasse sur place, et bah on changera la facture après coup. Étant donné que là c'est un devis. Elle m'a demandé si on pouvait scanner un document. Scanner un document? Bah, on peut le prendre en photo. J'ai pas de scanner. Ah oui, oui, on peut scanner, oui. Ouais, ouais. Oh, ça va me casser les couilles. Je te rappelle peut-être dans 5 minutes. Ah oh, ouais, je me mets en mode avion. Hein. Merde, j'ai raccroché alors qu'elle parlait. Mais ouais, c'est pitoyable. Ouais. Et alors, à la fin du complément d'enquête, il y avait une interview d'un vieux qui était son ancien agent qui a dit non, mais c'est juste qu'il veut faire son intéressant. En vrai, il violerait pas une femme, il violerait pas ceci. Non, mais, non mais c'est pas une question de passer à l'acte. C'est, je sais pas, ça. Mais c'est donné qu'il y a eu une accusation de viol quand même. Oui, bah après, effectivement. Mais je veux dire, tu t'as pas à parler comme ça. Bah ouais. Je veux dire, imagine. Je sais pas s'il a des enfants, mais s'il a une fille, Depardieu. Comment il réagirait si un vieux connard de 60-70 balais parlait comme ça de sa fille? Ouais. Ça m'étonnerait qu'il en rigole. Ouais, d'accord. Oh. Ouais. Ouais, tu penses qu'il en rigolerait, toi? Bah, regarde, y a plus rien. Le mec, il est complètement. Je sais pas ce qui s'est passé dans son cerveau, mais y a plus rien. C'est un déchet. Aujourd'hui, il en rigolerait, peut-être que quand c'était encore quelqu'un, à peu près. Mais c'est quoi, tu penses que c'est la vodka qui fait ça? La ouais, finasse. Je pense qu'il en a plus rien à foutre. À mon avis, il est tout le temps bourré. Ouais. Ouais, je pense qu'il a lâché prise, ouais. Ouais, bah faudrait les enfermer les mecs comme ça. Non?
Bah, d'autant plus si l'accusation de viol est jugée et punie de par Dieu, oui, ce serait bien qu'il aille en prison. Mais bon, je vois pas pourquoi ça serait faux, je vois pas qui irait inventer une histoire comme ça. Les gens qui défendaient Depardieu disaient oui, non mais dans sa vie il a pu avoir absolument toutes les femmes qu'il voulait, donc c'est pas le genre de mec qui irait violer quelqu'un. Bah, depuis quand c'est une excuse? Déjà, et bourré, je suis pas sûr. Hein. Enfin, je suis pas sûr qu'il. Oh, c'est quoi dans le ciel là-haut? C'est rien. C'est une tour? C'est la tour de Sauron. On dirait. C'est Saruman. Ah, grand stade. C'est ça? Alors grand. Oh, c'est le grand stade. Grand station. Ah. C'est grand station. C'est la gare. Oh, il y a la map. On est où là? Y a pas, vous êtes ici. Je vais aller voir si je vois pas. Prends un billet de train. Si jamais. Oh, t'es passé par-dessus. Par-dessus quoi? Ah, bah, oh, y a les pieds. Ils sont au-dessus de moi, je crois. Oula. Ça a l'air d'être des furieux. Ouais. Oh, ils construisent. Oh, ils descendent. Ah, ah oui, ils te suivent. Je suis mort. Je les vois pas. Tu peux pas faire. Oh putain. Putain mais c'est des fous furieux aujourd'hui. Pourquoi moi? J'étais caché. Oh. Je peux pas aller plus loin en fait. Oh putain. Caché derrière des valises, il s'en sort. Non mais là je suis même pas caché là. Il est posé derrière des valises. Ah bah voilà, ils sont venus juste pour me péter la gueule, super. Oh, fuis. Oh merde. Ils sont où? Va te cacher. Vous voulez pas vous barrer? Ouais. Oh non. Oh le train! C'est ma chance ça, non? Je pense que c'est ta chance, mais s'il s'arrête, t'es dans la sauce. Et s'ils le prennent. Oh ils le prennent! Ah non, il descend. Et il remonte! À mon avis, c'est pas le bon bail. Ils sont encore dessus là? Ah oui, ils sont deux dessus et ils prennent le coffre qu'il y a dessus. Bonjour! Non, ils l'ont! Ils l'ont raté? Oh non. Oh. Je crois. Ah, ils t'ont pas vu? Ah non, parce que le train il partait dans la tempête. Bah, moi je reste là. Comment ça se fait qu'ils te voient pas, toi? Je sais pas. Moi je reste là. Je suis un hobbit. Par contre, barrez-vous, hein!
Parce que moi je veux le réanimer là, mon copain. Je suis pas très utile, je crois. Je crois que c'est pas ma map. C'est pas ma saison. C'est toi qui vas devoir carry toute la saison. Je sais pas où ils sont. Hein. Tu vas voir qu'ils vont rappliquer. Là. L'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. C'est elle, c'est l'autre folle. Bon. Bah moi je reste caché, ça sert à rien que j'essaie de me défendre, dans tous les cas je suis mort. Je vais prendre une banane. Et je vais la manger. Sage décision. Oh, problème, c'est trop lent quand ça marche. T'as des armes ou quelque chose? T'as rien? Ouais, j'ai des armes. J'ai un pistolet et une sorte de scar. Et un pompe gris. Mais après, là, il y a plein de loot. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression que peu importe avec quoi je tire, dans tous les cas, ça se passe mal. Ah, je vais acheter du soin. Tiens, je t'ai acheté une potion de 50. Oh, merci. J'ai plus de sous pour en acheter une deuxième. Non, c'est pas ça que je veux. Pourquoi je peux pas? Le train arrive en gare. Voie 9. Il écrit voie 9 3 quarts. J'ai raison. Et oui Harry, ce ticket est un faux. Allez, ciao. Bon, bah je vais boire ça. Est-ce qu'il n'existerait pas une théorie comme quoi, en fait, Harry Potter, il est dans le coma. Quand il a voulu rentrer voie 9 3 quarts, il a foncé droit dans le mur et... Non ? Ouais, mais ça voudrait dire que tout ce qui s'est passé avant qu'il arrive à la voie 9 3 quarts était réel. Qu'est-ce qu'il y a eu de magique avant, vraiment ? Bah, il a lâché un piton sur son cousin Dudley. C'est pas de la magie, ça. Bon, si, un peu. Tiens. Je sais pas quoi t'offrir pour Noël. Bon, non, bah... J'ai pas réussi à récupérer ce que je voulais, alors... Ah oui, regarde, 50 secondes avant la prochaine zone. C'est hyper rapide, en vrai. Ah ouais ? D'accord, je savais pas. Je suis pas expert en comptage de zone. Ah. Où qu'il est ? Zéro top 1. Bravo. Évidemment. Il a fait une vidéo sur les choristes aussi. Sur Taxi, enfin il est sur beaucoup de films français. Je te l'envoie sur Discord. Mais en privé. Faut avancer, Damien. Oh non. Il a pas eu une queue de cochon avant. Si, c'est vrai, il a eu une queue de cochon. Cause d'Hagrid. Putain, tu sais écrire Hagrid et Dudley sans faute, alors que la dernière fois, je sais plus quel mot, je ne savais pas l'écrire. C'était Fino. C'était Fino ? Ouais. P-H-Y. Il a écrit 5 ou 6 fois dans le chat sans jamais réussir à trouver la bonne orthographe. Pourtant, j'ai jamais vu un seul Harry Potter. Bah alors, je veux pas que tu viennes dans la partie après. Là, il y a un buisson qui m'a l'air bien, non ? Oui, très bien, même.
Et à partir du moment où tu n'as vu aucun Harry Potter, tu n'as rien à faire. Coupe ce live de merde et va voir Harry Potter. Live de merde. Oh, regarde. Après, il les a peut-être lus. Lire. Il sait lire, lui. Ah, il a vu la coupe de feu. Bah, c'est bien, mais c'est comme les personnes qui commencent... Pourquoi vous commencez pas par le premier? Tu sais, toutes les sagas, c'est pas comme Star Wars où tu peux les regarder dans n'importe quel sens, tu comprends quand même. Hein. C'est dit, Star Wars, tu peux pas regarder dans n'importe quel sens. Bah, de toute façon, moi, je les ai regardés dans le soi-disant le bon sens et je me souviens de rien. Alors. Et après, j'ai vu des morceaux. Bah oui, mais bravo. En vrai, est-ce qu'il y a des fans qui sont imaginés le pire sens dans lequel regarder les Star Wars? Genre de 1 à 6. Bah oui, tu peux regarder le 6, le 2, enfin des histoires qui n'ont rien à voir entre elles. Tu commences par la toute fin, après tu reviens au tout début où tu sais, tu connais pas les personnages. Le pire sens. Bah moi je regarderai comme ça. Qu'est-ce que c'est ça que ça ferait 6, 2, 1, oh, 4. 4 3, 5, ouais. Comme ça. Parce qu'il n'a aucun sens. Parce que à un moment les personnages sont morts, puis là ils sont revivants. Mais plus jeunes, et pas les mêmes acteurs. Ah ouais, je pense qu'il faut faire ça. Oh putain, y'en a un qui s'envole. Oh, ils sont au-dessus de nous. Oh non, ils sont deux. C'est quoi cette fusée? Il atterrit sur moi! Oh l'enfoiré! Putain, je crois que j'ai crevé moi, non? Espèce d'enfoiré. Allez, surtout que la zone, c'est pas bah non, il est mort. Je l'ai buté. Ah putain, mais je vais crever dans la tempête. Non. Oh, il a un badge. C'est quoi ça? T'es où? Alors, là. Mais je suis mort à cause de la tempête. Hein. Tu vas bien. Même ça, j'y arrive plus. Oh non. Oula. Oh! Ils sont là! Je suis mort. Comment ça, ils sont là? Puis j'ai rien pour fuir en plus. Non, là, ils vont voir le loot en bas. Bah, ils m'ont pas vu alors? Non, non. Oh, les cons. Ils prennent le loot du connard que j'ai buté. Très bien. Par contre, il revient. Là, il m'a vu là. Ah non, il s'en va. Oui, il a vraiment. Attention à la tempête. Hein. Putain, mais j'ai pas de vie. Oh la vache. Oh putain. Oh. Putain, y'a des mecs derrière moi! Ils sont trois? Ah, moi je mange la salade. C'est les trois derniers? Ouais, mais tu m'en voudras pas, j'ai 30 points de vie. Ah bah, moi j'en ai 16. Oh merde, mal. Oh, mais j'en ai plus que 8. Oh là là, ils se tirent dessus là? Oui. Trois équipes, on est 5. Mais entretuez-vous. Il me faut de la vie, moi. Il lui faut de la vie, là. J'arrive. Ouais, j'ai rien pour toi, en plus. Oh. Oh là là, il y a des pieds. Oh putain, je sais pas où je suis. Oh non, je devrais pas être là. Oh non. Comment on sort? Oh putain, je sais pas où je suis. Y'a pas de la vie? Y'a pas de vie? Oh si, y'a un sang complet! Mais je suis baisé là, non? Je vais le prendre. Tant pis.
Je sais pas où je suis. Mine-toi! Oh putain, elle arrive. Crouille! Il est où l'extérieur là? Oh putain, il est là. Mine-toi! Putain, mais elle va vite la tempête. Oui. Puis c'est loin. Oui. Ça se bat, je sais pas où. Ouais, devant moi. Devant moi, devant moi. Je suis dans les vignes. Je vais dans la zone, je laisse se battre. Voilà, il va. Oh la vache. Oh, j'ai 30 construits. Ah bah non. Oh merde. Pas fou. Oh putain, les enfoirés. Elle est où la zone? Oh non. Non. Laissez-moi tranquille. Battez-vous entre vous, merde. Et pourquoi il veut pas lui tirer dessus là? Oh merde. Non. Oh putain, j'ai même pas eu le temps de lancer ma répulsive. Ah l'enfoiré! Reste dans la tempête, t'enfoiré! Oh non, c'était l'autre! Ils étaient tous les deux de chacun d'un côté. J'étais en train de m'enfermer dans la tempête. Une dernière. Let's go. Et Overlit, non, je ne t'ai pas oublié. Je t'ai dit que t'avais pas vu Harry Potter, donc... Ah, coup dur pour Overlit. Bon, allez, vas-y. Par contre, j'espère que tu peux rejoindre parce que moi je repars pas dans dans le menu. Ouf. C'est les mecs à deux qui ont gagné? Je sais pas. Invitation dans le groupe. Je sais pas si ça a marché, hein, Overlit. J'ai pas mis tout le monde. Ça a pas marché. Bon, vas-y. Oui, bah, c'est 2 secondes. Comment on va dans le menu? Ouais, ouais. Oh, Overlit! Ah, bah, je peux pas. J'ai quitté. Ah, si, ça y est. Il est où? Overlit. Oh non, il est là, puis il a une couronne. Comment ça se fait qu'il y a une couronne et pas nous? Je sais pas. Il a changé de skin aussi. Peut-être pour ça, il est peut-être devenu plus fort. Ah non. Il a rechangé de skin. Overlit. Overlit. Elle est en général. Allô l'enfant? Ouais, ça marche pas. Allô l'enfant. Oh putain, j'ai cru que c'était la voix d'Overlit qui avait mué. Attends, je l'avais pas mué? Non. Qui avait... Il a mué. Ah non, il a pas mué. Il parle plus. Il y a une extinction de voix. Faut aller travailler demain et dimanche. Dimanche? Ouais, bah oui, Noël. Noël et dimanche. Toute la journée. Ah, il va y avoir plein de connards qui vont venir.
Mais comme on n'est pas assez nombreux, bah il y a que moi le matin. Oh, ça va être sympa. Ouais. Et t'es dans la sauce quand il n'y a que toi? Non. Un dimanche, on n'a pas de livraison. Donc... Non, par contre, à Noël, si la jeune qui devait le rappeler n'a pas rappelé et qu'on a personne, là, on va vraiment en chier. Parce qu'en fait, j'ai deux de mes collègues qui sont en arrêt sur 5. Et on a récupéré un jeune qui est d'après-midi et qui est là juste pour dire qu'il est là. Et juste pour que nous, on n'ait pas à faire les après-midi. Après, il bosse un peu, hein, mais... À mon avis, à Noël, il va pleurer sa race et... Et voilà. Donc non, j'espère qu'il a réussi à trouver quelqu'un. C'est l'anniversaire de Mary aujourd'hui. Ah bah bon anniversaire Mary. Il a 47 ans. Oh la vache. J'allais dire il est pas vieux mais... Ça 47, commence hein. 47 c'est le début. Hein. Déjà genre moins vieux que Vigo mais... Déjà que 30 c'est le début aussi alors... Allez. Mais peut-être qu'il a pas besoin d'avoir de bons réflexes à Fortnite, donc ça va. J'ai pensé à toi, il y avait un mec sur qui jouait à FIFA et il disait j'ai dépassé la trentaine, maintenant je suis plus fait pour des jeux de tir et tout ça, et même là sur FIFA je commence à voir qu'il y a un temps de réaction qui est plus faible qu'avant. Ah non, viens là. Il m'a raté ce con. Con de botte. Vous êtes à ma merci les amis. Ah bah non, venez là. Tu viens là hein. Mais c'est fou ça. Mais arrêtez ça. Mais Damien il m'écoute pas. Vous restez là. Vous restez avec papa. Ah bah ils sont morts. C'est qui cette voiture? Je sais pas. Ah c'est Overlit. J'avais oublié qu'il était avec nous. Ah oui donc c'est des équipes de 3 putain mais j'étais là à aller me battre moi. Ah non faut pas se battre. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on peut conduire les vélos? Ah non bah c'est pas un bon jeu. Dans Red Dead Redemption on peut. Dans GTA San Andreas. Et du coup, t'as entendu la rumeur comme quoi le GTA il coûterait plus de 200 balles? Plus de 200 balles, non, mais moi dans ma rumeur c'était 150. Ah. Bon, dans tous les cas, qui coûte plus cher qu'un jeu normal? Ouais, je vois pas l'intérêt de mettre plus cher. Bah, pour enfin, rentabiliser. Si. Ouais, mais bon, dans ce cas-là, tu fais pas un jeu. Hors de prix, s'il faut le vendre. Alors hors moi, de prix. Moi, je vais t'annoncer un truc. C'est que... Alors, forcément, t'auras des joueurs qui pourront pas balancer 150 balles. Mais ça sera très, très, très sûrement le jeu qui se vendra le plus l'année où il sortira. Même s'il coûte 150 balles. Ça, je n'en doute pas. Mais voilà, le problème, c'est qu'il y a des gens qui peuvent pas se le permettre. Et c'est chiant. Quand on n'a pas les moyens en pique-nique. Mais il y en a. Ah, les pieds. Après, c'est entre ils disent et ils vont faire. Oh. Mais il y en a, ils disaient, même à 200 balles, ils le prennent, mais day one. Et il y en a, ils seraient même prêts à prendre une collector qui coûte bien plus cher que ça. Mais il est où avec ses pieds là? C'est un bot. Mais il avait une carte. Ah, bah oui, j'allais dire, parce que là, j'ai une porte de coffre-fort. Bah, alors, c'est pas ouf, j'arrive. Mais ouais. Après, moi, c'est un jeu que je prendrais, mais 150 balles. En fait, je suis pas assez fan. J'aime beaucoup GTA, mais je suis pas assez fan pour me dire c'est un jeu que je paierais 150 balles. Tu vois, tu me dis, ils sortent un Red Dead 3 à 150 balles, je te dis oui.
Mais GTA, je te dis non. C'est quoi? Oh, c'est un pompe en or. Ah, c'est vrai que ça commence à chiffrer un peu quand même, 150 balles. Bah à partir du moment où le prix d'un jeu coûte deux fois le prix d'une manette et la moitié d'une... Oh merde! La moitié d'une PS3 ou PS4 qui était à 300 balles je crois. Ça commence à faire, oui effectivement. Parce que déjà là, ouais. quand tu vois la console, c'est combien? 550, 600 ou 500? 499? Alors que tu peux jouer à Fortnite qui est gratuit. Tu peux jouer à Stardew Valley qui a 10 balles. Tu peux jouer à Gollum qui a 50. Ah, vivement qu'il soit à 5€ Gollum, que je l'achète. Oh, même à 5€, moi je le ferais pas. Non mais moi je l'achèterais pour l'avoir entre guillemets en collection quoi. En tant qu'objet Seigneur des Anneaux, même si bon. Ah merde, il faut une carte. Ah. Tu peux tirer dessus ? Ah bah c'est les bots. Donnez la carte les bots. Chope la carte, Verlitz. Non, la carte. Il l'a prise? Oui. Chope les kimonos. Non, 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 ma potion. Et toi, est-ce qu'il y aurait une licence de jeu où tu te dis le double du prix, tu l'achètes? Genre, voilà, tu pars sur 150 balles. Est-ce qu'il y a une licence qui te ferait acheter le jeu à 150 balles? Bah oui, Red Dead Redemption. Ça ferait mal au cul, mais je l'achèterais, tu vois. Oui, moi aussi. Faut que ça les vale, tu vois. Je sais pas, un Red Dead à 150 balles alors que... J'estime. Non mais dans tous les cas, à partir du moment où Rockstar te balance un jeu, tu vois, t'as des studios, c'est ce que je dis à chaque fois, t'as des studios, tu peux entre guillemets prendre le jeu quasiment les yeux fermés et t'es sûr d'en avoir pour ton argent et de pas être déçu. Moi je pense à Rockstar et à Naughty Dog. Après Naughty Dog c'est toujours pareil, faut savoir ce que t'achètes. Comme Rockstar, tu me diras. Mais je veux dire, si t'aimes bien les jeux Rockstar, si t'aimes bien les jeux Naughty Dog et qu'ils te sortent un nouveau jeu, je pense que même si t'y vas les yeux fermés, tu seras pas déçu. C'est sûr, si tu joues à Fortnite toute la journée et que tu joues à rien d'autre, si on te balance un Red Dead où le gameplay est réaliste et du coup tu peux pas. C'est lent, avec beaucoup de dialogue, bah c'est sûr que t'apprécieras pas. Alors que bon, Red Dead 1 et Red Dead 2 sont des chefs-d'œuvre, excusez-moi de le dire. Je suis d'accord. Le grappin, bon je vais tester alors, on va voir. Ça grappine comment? Oula! Alors je sais que j'attends des colis, mais j'ai pas spécialement envie de répondre à ce. De cliquer sur le lien de ce message. Nous avons un colis dans notre entrepôt, machin. Cliquez sur le lien. Payer. Non merci. Oh, on peut taper avec. Je vous laisse. Taper avec quoi? Le grappin. Tiens, en fait, Damien. Ah.
Pardon. Non, c'est pas grave. Oh, il y a des cigales! Non? Putain, je caille. Aller prendre une douche. Il y a un billard à l'intérieur. Je crois que ça tirait. Ah! Ah bah! Ça a réanimé des connards à gauche, droite. Fuyons! Oh! C'est raté? Non, j'en ai touché un à 105, mais. Ça one-shot plus les snipers maintenant. C'est la merde. Ouais. Oh Damien, que penses-tu de ce pont? Oh, y a un mec en face de moi. C'est un beau pont. Il ressemble au tien d'ailleurs. Y a des mecs en face. Hein. Oh merde. Oh. Je pars vers la gauche. Hein. Ah bon? Moi je suis parti me battre. Ah non? Bon, d'accord. Faut pas oublier que c'est la dernière. Hein. Oh, ils sont là. Je suis si loin. Oh la vache. Oh, je l'ai déglingué avec mon pompe en or. Tiens, dégage toi. Merde, c'est une moto. J'ai tiré dans la moto, Damien. Un mec devant moi. Je me suis trompé d'arme. C'est bon, il l'a eu, je crois. Quelqu'un a pris mon pompe en or? C'est pas moi. J'ai pas de pompe en or. Ah non, il est là. Je me suis retrouvé avec une mitraillette alors que je vais tirer aux pompes. J'ai eu peur. Attends, parce que lui, il avait un beau truc là. Il est où? Oh! Ça s'envole vers lui. Loot mythique. Ah non. Il y a plein de shield là, si vous voulez. Hein. Merde, pardon. Je vais balancer ça. Overlit, il y a du shield. Il y a du sanglier qui vient de sortir. Il va t'arriver par galère. Bon, il en a rien à foutre en fait de mon shield. Je le reprends. Oui. Oui. Ça envoie du gros pruneau, ça. Allez, Bruno. Pourquoi on se bat en fait là? Je sais pas. Fais attention aux balles de snipe, Verlit. Verlit. Oula. Verlit. Ça aussi, c'est un beau pont. C'est moi, il y a des balles qui fusent derrière là. Merde. Il va crever. Overlit! Allons dans la glace. Glace? Je veux dire comme dans pingouin, igloo, esquimau et glace. Je vais me prendre un bon bain chaud. Ça va donner froid de penser à toute cette glace. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Il y a le train qui arrive, il y a peut-être des gens dessus. Ah, oh, s'il y a des gens dessus, je leur balance une répulsive pour les faire descendre. Je sais pas où il est. Ah, il est là. Ah, il voit jamais, mais... Bah, il y a personne. Non. Non! Par contre, là, il y a du monde.
sont toujours en sniper, en fait, gaffe. Hein. Bon, elle est où la prochaine zone là? Oh putain, mais y'a un mec devant moi! Tu t'es perdu, mon copain? Putain! Derrière nous! C'est un constructeur fou! Si jamais vous avez des répulsifs, barrez-vous! Ah bon? J'en ai eu un! Je sais pas si c'est, s'il était avec eux, mais. Ah bon? Pourquoi on se barre plus? Bah, je sais pas si c'était, s'il était avec eux. J'y retourne. Non, c'était un bot. Y'en a deux! Non, mais c'était un bot. J'arrive. Non, pas plus qu'un en fait. Il saute dessus! Je lui ai enlevé 57. Mort! Bien joué. Derrière nous, on se fait back. Overtlight, il a perdu sa couronne. Faudrait qu'on arrive, faudrait que tu la récupères. Je l'ai. Bien. Tu restes caché ou tu fais quoi là? Non, je finissais un mec qui rampait vers ses copains. Ok. Oh la vache, il construit une belle tour. Il fonce vers moi. C'est vrai? J'ai mis 34. Il est où? Il est toujours dans sa tour là? Il est devant moi, il est sur moi. Ah mais... Non mais il y a quelqu'un derrière aussi. T'as un tir dessus! Oh! Faut de la vie. Je vais tuer les pieds. Il y a un petit poisson en bas. Il arrive. Je suis coincé. Aussi. On est tellement mort. Oh mais ils sont là. T'as une répulsive? Oui. Bah barre-toi. Je suis barré. Je t'ai éjecté ou pas? Oui, mais pas dans le bon sens. Bah oui, c'est pour ça. Je suis parti loin. Ah bah, je suis avec toi. Tu m'as dit de me barrer, je me suis barré. Moi, j'ai écouté les ordres. Non, t'as bien fait parce qu'ils étaient trois. Putain, pour recharger les armes, c'est beaucoup plus long aussi. T'en as certaines, ouais, c'est long. C'est quoi cet escalier qui va au ciel là, à gauche? Tu regarderas à ta gauche. Tu le vois? Non. On voit que ça. L'escalier qui va au ciel à ma gauche. Ah oui. Ah, il y a quelqu'un au-dessus en plus. Il a un sniper. Pourquoi il fait ça? Voilà, il est tombé. Au revoir. Il est pas mort. Il a poussé Columnar délicatement. On essaie d'aller réanimer copain. Ouais. À deux, ça devrait être rapide. Puis il y a trois équipes. Enfin, encore deux équipes pour quatre joueurs. Donc peut-être une équipe de trois, une équipe de un. Ou peut-être deux équipes de deux. Bon, en théorie, les trois connards, ils étaient loin là. Ah bah non, apparemment c'est un truc normal, bon, donc c'est bien le colis que j'attends. Et
Comment ça, il attend dans un entrepôt? Il attend qu'on vienne le chercher. Oh putain, du slap. Overly perd pas de points de vie avec la zone, hein. Si on t'a ils réanimé. Là-bas. Mais ils sont trois du coup? Je sais pas, j'en vois qu'un. Ah. Mais c'est un bot qui est tout seul. Non? Je sais pas, mais j'arrive pas à le viser d'aussi loin. J'ai vu des pieds. Moi aussi. Oh la vache. Ouais, à ma droite. Ah ouais, je le vois derrière le caillou. Boum, on va être lit. Putain. Oh, il vient sur moi. Comment il savait que j'étais là? Putain, mais... Oh, mais comment il... Je suis encerclé, moi. Joueur PC, derrière toi. Vache. Il a pas loupé une seule balle. Bien joué, dégage. Cours! Mais... Oh, il se bat. Il se bat à nouveau contre quelqu'un d'autre? Ah, c'était contre toi. T'as encore le dernier en vie, t'es trop fort. Putain, mais merde! À gauche, à droite. Foutez-moi la paix. Ah putain, mais c'est du 3 contre 1! Oui. Oh. Voilà, je mourrai dans la tempête. Je mourrai jamais. Ah, les trois sont là. Ah putain. Dommage. C'est votre combienième partie avec le bébé? Bah notre première. Et notre dernière. Et on a toujours pas fait de top 1. Il a un problème de micro, je l'entends pas. Bah je sais pas. En tout cas, on l'a pas entendu non plus. Et du coup, je vais le déconnecter, voilà, de l'appel, parce qu'il a servi à rien. Il est venu dans Général, je l'ai ajouté dans Doux et il a pas parlé. Bon, bah dommage. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi mon micro marche top 3, jamais. Top 2. Ouais. On n'a pas fait de très mauvaises parties. Non, mais on n'a pas brillé non plus exceptionnellement. Non, mais en même temps, on découvre. Nous, on apprend. C'est vrai. On apprend.